de ses portes, ici à Shanghai, se trouve une propriété de grande valeur. C'est l'emplacement du village Shui numéro 2. Cette communauté résidentielle est littéralement de l'autre côté de la rue du parc de l'Expo et les gens qui y vivent ont une place de premier rang pour assister à la naissance du pavillon de Chine. La vue derrière cette fenêtre est juste spectaculaire. Ceci, bien sûr, est le pavillon de Chine. Mais c'est cette vue de cette fenêtre qui raconte une histoire très différente du pavillon de Chine. Je suis Nancy Merrill. La première chose que vous voyez quand vous entrez dans le parc et la dernière chose que vous voyez quand vous le quittez, c'est le pavillon de Chine. Mao Zhuchen est la directrice adjointe du département du pavillon de Chine dans le bureau de l'Expo universelle de Shanghai. Elle a un solide bagage académique en urbanisme et en développement urbain et comprend au mieux ce que le pavillon de Chine apportera à la ville. How do you see the juxtaposition of the China Pavilion and the city of Shanghai? As you can see, Shanghai is a very much westernized city. You see a lot of western style architecture, the Bund, for example, and nowhere else in Shanghai can you see an architecture like China Pavilion. And that's the reason why we chose it. And here you see our emphasis on tradition and our cherishment of the tradition, so we want to have this balance. En décembre 2007, la construction du pavillon de Chine commença. Et le village Shuiyi numéro 2 commença sa propre métamorphose. Wei Min vit dans ce village depuis plus de 20 ans. En tant que photographe avec plusieurs années d'expérience en photo, il a développé un œil bien entraîné et peut ainsi déceler et capturer les changements qui se produisent dans la vie de tous les jours. À partir des photographies de Wei Min, la relation inhabituelle entre les gens du village Shuiyi numéro 2 et le pavillon de Chine a été saisie. Quand il a été fait pour le Sibohui, il est un centre de centre. Cette change est très grande, et ce n'est pas seulement la change de la société, mais aussi la vie de la vie. Cao Zhenzhi est le président du comité des résidents du village Shuiyi. En Chine, les comités de résidents sont une des organisations de voisinage dont la fonction est d'aider à gérer la communauté. C'est axé sur les relations sociales. Pourquoi nous sommes appelés世博第一村呢？它有两个含义，一个就是在我们当时动迁的时候呢，有五个居民区，四个都已经动迁了，唯一留下的就是徐家村，还有一个就是我们中国馆的主场馆，靠近我们最近的距离。 近150米左右，因为世博它有个阳光动迁，所谓的阳光政策是什么呢？就是说，一般情况下就是拆
一环二天气这样一个模式，还有考虑到户口啊、居住的环境啊等等。En ligne avec le projet de relogement, les résidents de quatre autres villages ont choisi leur nouvelle maison. Ils ont signé les papiers, fait leurs valises et sont partis pour un nouveau chapitre de leur vie. Selon Cao Jianzhi, son village est le seul laissé derrière. Il dit que c'est dû aux restrictions budgétaires du gouvernement local. 当时我们一些居民还是应该说他们本来对动迁的希望还是比较大的，所以那个当听说学二村最后是没有划入动迁的范围，部分居民确实有些心态失衡。He Jingtang est le créateur principal du pavillon de Chine. Le concept de couronne orientale, promu par son équipe de création, a fait face à des rebondissements et à des métamorphoses tout au long de la phase de proposition. Prenant part d'abord à la compétition, étant jugé, puis choisi, puis perdant les élections et finalement étant choisi pour le projet. Même le processus pour choisir la couleur extérieure du pavillon a rencontré d'incalculables déboires. Voilà, ce rouge, c'est ce que je suis le plus inquiet. Nous avons commencé en 2008, à la gouvernementale de la gouvernementale. Après, dans le rouge, nous avons invité le Chinois de la gouvernementale de la gouvernementale, 参加一起研究。好、啊，这些收集的图库，哪个颜色比较好？这个太粉了。哦，大概是2009年3月11日吧。哦，那天去的。我被通知到现场之后，看到巨大的那个铁架子，哦，心理压力是比较大的。应该说，在看，我估计。在看到15分钟这一段时间，从1分钟到15分钟，其实眼睛是茫然的，就不知道该怎么办了。Pendant environ une demi-heure, professeur Song Jianming resta sous la structure en ciment du pavillon de Chine en silence. Avoir eu une idée de son énorme tâche, le professeur Song a rencontré Bing Ha, le directeur adjoint du bureau de l'expo, pour négocier le délai pour cet ambitieux projet. 然后那个丁局长问我，说是宋院长，你看多长时间可以拿出？啊，我算了一下，我要求2个月的时间。我谁知道我这个话音未落，他马上就说不行，不可以有这么长时间。然后我说那多久呢？至少1个月。他不行的，1个星期。我当时非常惊讶，就是1个星期怎么可能拿得下来？啊，然后我就跟他讨价还价，讨成了2个星期。啊，最后他是勉强同意2个星期。按照秩序，按色系，对，像扑克牌一样散开。But you know, I look this red, for instance, that red. How would you compare that to the Chinese red? 啊，它和中国红还是很接近的，但是中国红呢，它还有自己的特点，它比较厚实，比较温厚，有自己的民族特点。And so I noticed also, what are these hats doing up here? 啊，这是安全帽。That's your hat. 就是进工地的时候。That's the one you wore when you snuck in. Let me see how you look. Pull it down. Okay. 就这样。Very nice. Migrant worker. 啊，早期的时候啊，他们对就戴着民工帽子的上班的工人，就是上班工人就跟着上班的工人一起进去，
你就大概6点多吧，就是一面吃东西一面戴个民工帽，哗就进去了。那么还有呢，就是从别的地方，比如说跳墙啊、钻洞啊，都能进去。但是后来就查得比较严了。Where did you get the hat？ 头盔就是在工地上捡的呀，就在一个他们的一个车间里面，有工人废弃的，哎，一个安全帽把它擦擦干净，头上一扣，不来管你了。但是到了世博会后期，建设后期的时候，他管得很严了。这是有那个电子卡，这戴安全帽都不管用了，这就用别的办法进去了。À 100 mètres plus loin, la construction du pavillon de Chine avançait et les résidents du village Chuyé, numéro 2, savaient qu'ils étaient destinés à endurer les temps les plus difficiles alors que la préparation de l'événement historique se poursuivait. Et ce habitant de la ville était très inconfortable, c'est-à-dire que le domaine n'est pas arrivé. Il a été tombé Chuyé 1层 domaine, Chuyé 3层 domaine, il a laissé ce块。它是这么凸出来的一块，像个半岛形的。这是我们辖区周边那个频繁的那个土方车进出的时间，就是28秒钟一辆，这是经过掐算的。那可想而知，这个扰民的现象应该说也是非常非常厉害的。灰尘啊，就是停电停水啊，饭烧了一半，饭就加深了，没办法烧了，经常性的。有一户居民，他这个吊灯都掉下来，还有那个水管都弯掉。刚刚洗澡还没冲呢，这水就没有了。但是这些呢，就是老百姓呢，开头应该说他有一个适应的过程。D'ailleurs, avec les nouveaux dérangements apportés par la construction du parc de l'Expo et du pavillon de Chine, les résidents de Chuyé ont aussi ressenti de l'incertitude à propos de leur avenir. Pendant ce temps, de sorte à être assortis au pavillon de Chine et au parc de l'Expo.Un projet de rénovation du village Chuyé numéro 2 fut mis en branle. 最痛苦的吧，也可以说，就是那个每天上班时间是没规定的。比如说我们正常的上班是8点半，一般情况下我们上班就要7点多一点就要上班了，要接待老百姓。因为特别是整新工程这一段时间，每天30-40个人次，应该不说是很正常的。有人跟我开玩笑，你这里像医院看门诊一样排队。这也不为过，因为确实的，因为整新工程一辆的矛盾比较多。因为涉及1800多户居民，这个矛盾协调应该说是非常那个难度是非常大的。Malgré les énormes problèmes rencontrés dans leur travail respectif, Cao Jianzhi, de même que le professeur Song, se sont lancés dans les défis et ont d'une certaine façon toujours réussi à trouver des solutions.La cérémonie d'ouverture de l'expo était à moins d'un an. Pourtant, la couleur de l'extérieur du pavillon de Chine n'était toujours pas décidée. Pendant ce temps, le village Chuyé attendait également de faire peau neuve sous la forme d'un projet de rénovation. Résultat de quoi, Cao Jianzhi découvrit qu'il faisait face encore plus de problèmes.对吧？因为名条件呀，大家要上。第二呢，室内道淋漓之际，还是不及地台级的。在整修工程中，有部分居民还也不是很配合理解，因为考虑到地理环境，他们对那个动迁还是抱有一定的奢望。但是随着整修工程的开始，那个动迁的可能性就不存在了，一部分居民的心态可能失衡了，所以对我们后期的一些整修工程带来一定的阻力。It must have been very hard for you with all the people coming and complaining. 确实也比较累，但是那个看到小区整个的氛围都这么好，世博会办得这么成功，受到了国际友人的一致认可，我感到很高兴，也很欣慰，从内心感到我付出应该是值得的。曹书记呢非常非常的忙，很多时间呢他还要接待我们的一个就是居民，比如说有一些大大小小的事情，反正居民嘛就总相信居委会。
到居委会来呢，就必定要找他，像把他当成自家人一样，有什么问题呢，都会来跟他联系。Les gens du village essayaient toujours d'être optimistes quant à leur avenir. Alors qu'à l'extérieur de leur porte, leur voisin le plus proche, le pavillon de Chine, entrait dans son stade final et son dévoilement futur était imminent. La date butoir pour le dernier jet est juste au coin de la rue. Le professeur Song et son équipe n'ont toujours pas trouvé la couleur rouge parfaite.为什么是中国红？哦，在儒家的里头，五方正色里头还有四个颜色，合不合适？啊，比如说青黄赤黑白，所以我们其实一一做过比较的。只有中国红的时候，所有人心都很踏实。那说明它只有一个解释。一般的人建筑师就不敢用红颜色，因为用完以后给人造成心理压力很大。就因为红的，通常红的很小的是很好看，这么大的红，屋顶呢，我们那个宽度啊是140米乘140米，两个半足球场这么大，搞不好很耀眼，还有很跳，或者是不协调。哦，这个大家可能有这种生活中有这个体会，一看阳光下一张红纸，哦，你只要看到5秒钟以上，那个绿斑就开始浮出来了，时间越久，这个绿斑是越厉害，啊，所以。建筑的话，这么大的体量，是一般不太敢用这样的红颜色的。La cité interdite avec ses magnifiques structures anciennes semble être complètement saturée de couleurs rouges. 从建筑到器物，但事实上，从色彩专业的角度看，它不是一个颜色的，它是由一个颜色组群构筑起来的。La composition grandiose des diverses couleurs de rouge dans les bâtiments de la cité interdite est devenue la source d'inspiration du professeur Song. 不同的民族实际上对各种各样的色彩，它有自己的定义，啊，跟中国不完全一样，但是呢，有一部分是重叠的，啊，但是应该说世界上所有的这些民族，人类的这些民族的话。对于红颜色的痴迷，中国人是达到最高峰的人。Le lien entre la couleur rouge et la culture de la Chine a sa propre histoire, une qui s'étend jusqu'aux époques les plus reculées. Et même aujourd'hui, ce rouge a toujours une forte emprise sur la vie des Chinois. Je suis en train de me faire un peu de mal. Donc, je suis en train de me dire.干脆用传统的办法吧，就是用油画布、画刀、油画颜料，用手调。哎，我这个其实就把它变成一张画了。我想你是不是准备想拿去拍卖是吧？刷了大概有一两个小时吧，哦，把那颜色折腾过来、折腾过去，因为调来调去的。最后发现有一组颜色开始浮出来的时候，我心里其实有点激动的，我觉得找到了。土黄可能太凶了。Professeur Song a décrit 7 couleurs de rouge particulièrement harmonieuses. Elles sont divisées en 2 groupes. 4 ont été utilisées à l'extérieur et 3 à l'intérieur. Elles se mélangent tellement parfaitement.Que l'œil humain ne peut différencier l'une de l'autre. Et ainsi, le but initial du concepteur, qui à un certain moment semblait impossible à atteindre, devint réalité.
J'ai appris que le rouge est plus qu'une simple couleur, plus qu'un pigment, plus que de la peinture.实现了一个，像你今天看都站在家门口，就是我们那个建筑门口，就感觉到哇，一个样样大国，我们中国这种中华民族崛起吧，人们感到自豪自信，有这样一种场所感，就是很把中国文化这种非常特有的特色通过这个建筑来表现出来，但是这个表现不是很具象的。We are trying to match the traditional Chinese wisdom with the latest trends of development. 就因为它不高嘛，后面如果是蓝天的话，这个红的很跳。邻居对中国馆，有的是很喜欢的。这是中国传统啊，对吧？一个大红的，对吧？像个大礼包一样的，对吧？就是它这个红颜色呢，红的非常鲜艳，非常热烈。我们那个中国红大家都知道是中国人民传统以来都比较向往的这样一个颜色，那个世博第一称为什么这样叫出来，也是由于我们可以说老百姓说借中国馆的光吧。出去我打的回来就靠近中国馆就到家了。再说呢，就是现在这好像房价涨到25000了吧，这么大伙说起来乐滋滋的，好像因为这一块应该说些，不要说它房子涨价了，我出路很方便，无论乘公交车或者地铁，到哪都有。而且觉得我们这个地区啊，整个好像档次上去了，就这种感觉。我从事社区工作已经12年了，那个亲眼目睹了整个小区的变化。由于世博会的召开，那我们整个辖区的面貌已经发生了很大的变化。每家每户呢，通过整新工程以后，显得格外的漂亮。有时候确实那个我有一种很自豪感。Et donc pour ces résidents, le rouge du pavillon de Chine sera pour toujours un rappel étroit et constant qu'ils vivent à côté de voisins très spéciaux. Un qui a changé leur vie.Pour eux, un qui est le pavillon de la chance. Longtemps après que l'expo ne soit terminée, le pavillon de Chine demeurera. C'est le cadeau de la Chine à son peuple. C'est le cadeau de la Chine au monde. Je suis Nancy Merrill.